Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je suis au bord de la mer dans un cadre un peu idyllique où on va profiter en même temps de cette vidéo du bruit des vagues. Je sais pas si on l'entend bien sur la vidéo et je vais ouvrir, comme vous pouvez le voir, un tripack EB07 Evolution Céleste, un tripack évolué qui me restait dans ma collection, dans mon placard magique, on va dire. Et c'est vrai que je vais ouvrir ce tripack comme ça, un petit peu dans un cadre un peu différent. Alors j'espère qu'on va bien voir. Je me suis armé aussi d'une petite boîte en plastique pour pouvoir ranger les cartes, parce que ça va pas être facile. Il va pas falloir que je me rate ou que je fasse tomber ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des rochers et il y a aussi la mer qui est juste là. Alors c'est parti, on va ouvrir ce tripack. C'est toujours sympa, j'essaie de trouver des endroits un peu différents, plus agréables pour des ouvertures. Et c'est vrai, comme ça, on peut profiter du décor. Vous allez peut-être entendre des bruits, bruit d'avion, bruit d'enfant, bruit de vague aussi. Alors hop, j'enlève les trois boosters, je ne vais pas les faire tomber. La carte Evoli, il y a le jeton. J'essaye de... Voilà. Prendre le jeton et pas le faire tomber surtout. Donc voilà les amis, ce tripack il est ouvert, donc on a ce jeton en premier, ce très très beau jeton. Je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets de soleil. C'est pareil, ce jeton je vais le mettre dans cette boîte, je vais pas prendre de risque. Alors hop, voilà, on va tout mettre dans la boîte. Ensuite on a la carte Evoli, magnifique carte. Alors on verra peut-être pas la brillance correctement hein, avec les reflets du soleil, mais c'est une carte magnifique. C'est pareil, hop, je vais la ranger ici. J'ai aussi trois boosters les amis et une carte à code, donc une carte à code pour le JCC Online. Je vous la donnerai à la fin de la vidéo comme je fais d'habitude. Et puis j'ai ces trois boosters EB07 Evolution Céleste. Alors c'est parti les amis pour ce tripack Evoli. J'en avais déjà ouvert un il y a quelques temps à la sortie, il me semble, de l'édition. Hop, je vais essayer de bien vous centrer tout ça parce que ça va pas être facile. Je rouvre ma petite boîte. Hop, pour mettre les cartes dedans, la boîte elle est aussi préparée. Et voilà, allez, le premier code pour le JCC Online, pour ceux qui souhaitent jouer en ligne, c'est totalement gratuit. Hop, voilà, c'est parti pour ce premier booster les amis. Oula, zut, que je me trompe pas. C'est parti. Alors, je vais essayer de bien vous les proposer. Alors vous avez le petit logo ici, c'est la 84e sur 203. La première, c'est une commune Hippopotas. J'ai peut-être pas mis ma boîte du bon côté. Ouh là là. Ah, attendez. C'est pas facile. Si vous entendez des bruits de bateaux, c'est normal. Des fois, il y a des bateaux qui passent. Allez, Hippopotas. En deuxième, Tritonde. Numéro 42 sur 203. Ensuite, on a Elionceau. Commune 22 sur 203. Evoli. Ah, bah c'est marrant parce que on a la carte aussi. Alors, il faut que je la récupère. C'est vrai que ça va pas être facile. Je vais voir si je peux les ranger. Hop, on a la carte donc Evoli promo de ce tripack et j'ai la carte commune Evoli, la 125. Donc ça c'est plutôt marrant. Hop, qu'est-ce que j'ai après? Bombidou, c'est une autre commune, la 78. Maintenant on va arriver aux peu communes les amis. Galerie marchande, c'est un dresseur, la numéro 157. On a d'autres. Ponchien, numéro 134. Et la dernière, Nemelios, la peu commune numéro 23. Allez, la carte énergie. Hop. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Mastouf, c'est une rare reverse. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, attention aux statistiques, parce que les rares reverse, il y en a qui sont cotés à 10 centimes d'euros. Hein, aux sorties. Et Froussardine, la rare numéro 46. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai eu cette rare reverse. Je vais essayer de la mettre de côté pour pouvoir en reparler après. Il me reste deux boosters les amis, alors c'est parti, on va ouvrir un deuxième booster. Et ce que je vais faire,
Allez, je vais prendre le premier qui vient, comme ça. Deuxième booster de cette édition EB07 Évolution Céleste. Avec en premier la carte code pour le JCS Online, c'est gratuit pour ceux qui souhaitent jouer en ligne. Voilà. Allez, deuxième booster. Hop, avec en premier Passe Rouge, commune 138. Loupio, commune 52. Chlorobule, commune numéro 9. Tédursa, commune 126. Solochi, commune 113. Aquacouac, peu commune 25. Ponchien, peu commune 134. Et un nouveau, oh, un dresseur, il est rouleau du dragon accro, point final, peu commune 158. Allez, une énergie. La reverse, c'est une commune, c'est Drabi. Commune 107, reverse. Et on arrive à la rare Dratatin, la 121, une rare classique. Bon, voilà. De toute façon, les tripacks, les amis, souvent, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est vrai que ça coûte à peu près entre 15 et 20 euros. Vous les trouvez dans les meilleurs prix autour de, ouais, de 16 euros, je dirais. Allez, le dernier booster, et après, je vous donnerai le dernier code pour le JCC Online à la fin de la vidéo. Alors, c'est parti. Voici le code pour ce troisième booster. Ceux qui souhaitent jouer en ligne, c'est totalement gratuit. Voilà. Allez, on a en premier la commune 84 Hippopotas. Ponchio. Goupilou. Ouh là là, j'essaye de le centrer, c'est pas facile. Numéro 104. Grelasson, commune 44. Nodulite, c'est la commune numéro 86. La peu commune rue Bombelle, 79. Peu commune Serracrawl, 45. Et la peu commune c'est un dresseur badge ruban, la numéro 155. On a une énergie bleue, énergie eau, et oh, encore une rare reverse. Bon, bah, j'aurais rien dans ce tripack à part deux rares reverse. Roublenard, la numéro 105. Voilà, bon, c'est, ça arrive. Et oh non, mais si, loup, carotte, VMAX. Ah oui, quand même. Ah, mais j'ai une VMAX, les amis. Ah, mais c'est un très très bon tripack, ça. Oh, ce tripack de fou. Alors là, alors n'oubliez pas, derrière, je vais faire une vidéo d'analyse aussi et de stats de cette ouverture. Et c'est vrai que ce tripack, ben voilà, les amis, deux rares reverse et une carte VMAX en plus. Alors, Loup-Garotte VMAX, Mastouf en rare reverse et Roublenard en rare reverse. Bon, ceux-là sont peut-être pas super cotés. Mais en tout cas, je vais tout vous dire dans une vidéo d'analyse que vous retrouverez après cette vidéo. Parce que là, les amis, j'ai eu du lourd. C'est plutôt sympa. Oh, elle est magnifique, cette carte. Bon, bah les amis, je vous donne le dernier code pour le JCC Online. Voilà. Hop. Et puis, ben les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous pour la vidéo d'analyse de stats, en tout cas, de cette ouverture. Ça va être très intéressant. À très bientôt, les amis.